Bonjour et bienvenue sur Bloggy. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une clé USB assez particulière, c'est la EagleTech Nano USB. Donc c'est vraiment une clé USB du, je crois, plus petit format qu'on puisse faire, étant donné qu'on a quasiment la clé qui est intégrée, en fait la puce de mémoire est intégrée dans la prise USB elle-même. Donc c'est vraiment tout petit. Ça c'est une clé 4 Go, c'est assez difficile à croire, mais on a vraiment un format vraiment ridicule, minuscule. Quand on le compare à une clé Corsair traditionnelle, c'est une 2 Go Corsair GT, on se rend compte vraiment de la différence de taille qui est assez monstrueuse entre les deux engins. Alors évidemment, ça a plusieurs défauts d'avoir une clé de ce format-là. C'est tout petit, donc on peut le perdre assez facilement. Il y a une petite protection qui est livrée. Et si vous regardez bien ici, vous voyez un tout petit trou qui est fait pour glisser une petite dragonne qui pourrait être attachée à votre porte-clés. C'est pas mal pensé. Le problème, c'est que ça ne retient que cette partie-là. Et donc, on peut perdre assez facilement le bouchon qui va frotter contre une poche ou autre. Et on a un risque vraiment de perdre ça. En fait, l'usage principal de ce type de clé-là, c'est vraiment de le laisser en permanence à l'intérieur d'une machine. C'est surtout pour ça qu'a été créée cette clé. En plus d'avoir effectivement la possibilité d'avoir la clé en permanence avec soi, avec tous les utilitaires portables qu'on utilise d'habitude, ou des données importantes, on a la possibilité d'avoir cette clé aussi également intégrée en permanence sur son netbook. Là, l'intérêt est évident, c'est qu'on a vraiment une clé qui prend quasiment pas de place et qui donc va pas gêner en fait l'exploitation du netbook ni sa manipulation au jour le jour. Là voilà, sur un Samsung NC10, on a vraiment une clé qui dépasse au minimum. Petit détail tout de même par rapport à cet usage là, on a une clé qui est forcément moins rapide que les clés habituelles, notamment par rapport à la clé Corsair, on a une clé qui est beaucoup moins performante. Donc c'est vraiment une clé de dépannage, c'est pas une clé de données. Là on a 4 Go, ce qui permet vraiment de stocker des applications portables à la dizaine. On a pas mal d'applications aujourd'hui portables qui sont très pratiques, et c'est quand même pas mal d'avoir ce type de données tout le temps sur soi. On peut aussi stocker des données personnelles plus ou moins importante. Je pense notamment à des copies de cartes grises ou des choses comme ça qui peuvent servir quand on part en vacances. C'est vraiment le format minimum qu'on va mettre dans un coin de ses affaires pour avoir tout le temps avec soi des données importantes. Donc c'est la EagleTech Nano 10 4 Go. Brando m'a envoyé ça pour le test. Alors si les performances sont vraiment pas au niveau des plus grandes clés, on a tout de même un engin très pratique d'un point de vue format.